m'appelle Vincent Tricon et je suis le réalisateur de Samy la Fugue. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma sur le tard, je dirais. Je faisais des études d'information et communication à Toulouse et puis petit à petit, j'ai découvert le cinéma. Et c'est beaucoup par le biais du cinéma expérimental que je suis arrivé au montage. Et du coup, j'ai fait la FEMIS en montage. Et petit à petit, voilà, j'ai continué à faire des films d'expérimentaux plus produits vers la fiction, du coup, et tout en continuant à monter des films. Donc Samy la Fugue, c'est inspiré d'une histoire vraie qui a été vécue par des proches. Et ça m'a semblé être un bon point de départ pour raconter et montrer la maladie mentale d'un point de vue un peu différent qui puisse aussi changer l'a priori qu'on en a et casser quelques clichés, quoi. Ouais, il faisait super froid parce qu'on a tourné, il faisait vraiment très froid de nuit, donc il faisait encore plus froid. Et on avait la caméra, le cheval devait descendre vers la ville et je demande à Idir « Va tout droit, va tout droit !» Et il me fait « Vincent, c'est un cheval, c'est Pente Max !» Voilà. Libre, humain, incarné. J'espère doux, j'espère dur et j'espère généreux. Ça casse des clichés qu'on peut avoir sur quelque chose qu'on ne connaît pas, à savoir la maladie mentale. Et que je pense qu'en peu de temps, on vit une aventure un peu épique, un peu poétique. Enfin, un peu, non, à fond. Déterminé, humble et à l'écoute. Y croire, travailler et écouter. Je souhaite en tout cas qu'on continue autant à explorer ce que c'est le langage cinématographique, quoi.